Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Petite vidéo annexe sur le build de Fiora et sur euh, les questions qu'on me pose pas mal sur ce build justement. Alors on me pose souvent la question pourquoi Griff du Rodeur, pourquoi l'âme du Radéchus sur Fiora, est-ce que c'est pas trop de la merde Et bien ici je vais essayer de vous expliquer en détail pourquoi ce combo je le trouve assez fort et pourquoi euh, je vous conseille de l'essayer, si ça vous plaît faites-le, si ça vous plaît pas, dans ce cas adaptez-vous et faites, euh, faites votre build à vous. Alors, pour vous mettre dans le bain, dans la situation, j'ai simulé deux petits mannequins. Premier mannequin ici en haut, c'est une sorte de carry. Euh, peu importe, hein, carry AP, carry AD, on s'en fiche un petit peu. 3000 PV, 120 de résistance. Voilà, ça c'est un mec qui peut carry la game. Une sorte de combattant, de carry AP, de mage, et même euh, de carry AD. Hein. Même si j'ai un petit peu accentué les PV et les résistances, parce qu'en réalité vous ne verrez jamais un carry qui a autant d'HP et autant de résistance. Mais voilà, c'est pour vous montrer que même dans les cas extrêmes, le combo est assez fort. Ensuite en dessous j'ai fait un petit tank, un petit tank à 4500 HP et 230 de résistance, pareil, un peu dans l'extrême, dans le, dans même si c'est pas impossible de voir un tank avec beaucoup plus de PV et plus de résistance. Voilà, ça dépend des situations, ça dépend des games. Voilà pour euh, la mise en situation et aussi juste euh, au niveau des runes, j'ai fait des runes euh, qui, qui ne vont pas influencer les stats de Fiora. Donc euh, je n'ai pas fait conquérant, j'ai pas fait voilà. C'est vraiment juste pour vous montrer la puissance du build en, entre guillemets natif. En nature, mais euh, sachez que si vous ajoutez à ça des runes, ça va être encore pire. Ça va être incroyablement fort. Donc, alors le build en quoi il consiste Alors, pour vos boots, vous faites ce que vous voulez tabi, mercure, euh, citer ce que vous voulez. On s'en fiche. Vous devez donc avoir dans votre build obligatoirement une lame du roi déchu et vous devez en plus de ça avoir obligatoirement une griffe du rodeur puisque c'est le sujet de la vidéo. Voici mon stuff tout basique les deux systèmes griffe du rodeur, lame du déchu c'est le stuff que je fais dans beaucoup de mes games avec Fura. Maintenant, pour les trois derniers items, c'est adaptatif. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez besoin de tankiness parce que vous faites one shot le cul gage de Sterak, si vous avez bonne résistance AD donc d'armure, vous pouvez faire une danse de la mort. Si vous avez besoin de dépêcher avoir un peu d'omnivampirisme, une, une petite tire voilà, c'est adaptatif à mort. Si vous avez besoin de résistance magique, vous pouvez aller chercher dans le combattant ici, l'au bout du rouleau, ce que vous voulez. Voilà. C'est vraiment adaptatif, c'est à vous de voir, c'est à vous de vous adapter. Mais le principe du build, c'est vraiment d'avoir Griffe du Rodeur, Lame du Roi Déchu. Donc je vais partir sur un stuff comme ça juste pour l'exemple. Mais voilà, adaptez-vous, c'est très important. Donc, euh, en quoi consiste ce build et qu'est-ce que ça va apporter au, en, au niveau gameplay, au niveau combo de Fiora, puisqu'on est quand même là pour ça. Alors, pour parler rapidement de la, la Griffe du Rodeur, je ne vais pas revenir sur les stats 60 d'AD, 18 de létalité. Bon, ça, on s'en fout un peu, c'est cool. Hein. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est. Euh, la propriété active, donc le dash. Quand vous allez activer le dash sur un champion, vous le traversez comme ça, et vous dashez, vous appliquez quelques dégâts physiques, et en plus de ça, vous allez pouvoir, euh, après avoir traversé le champion, infliger 15% de dégâts supplémentaires, donc à la cible sur laquelle vous avez dash, pendant 3 secondes. Donc 15% de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes, c'est quand même assez fort. Et il faut savoir que ces 15% s'appliquent sur les dégâts euh, physiques et les, dég et les dégâts purs de Fura. Maintenant, l'autre truc à savoir, c'est que quand vous traversez la cible et qu'il y a une marque, vous allez casser cette marque. Petite parenthèse, sachez que tous les items activables, merci ben la voix off, tous les items activables qui infligent des dégâts vont proc les marques de Fura. Donc Galforce, Eviscerateur, Estropieur, euh, tout ce que tout ce que vous voulez, ça procra les marques. Et la griffe du Rodeur n'en fait pas exception. Elle fait pas exception. Donc là. La marque est devant, je la traverse, la marque est cassée, elle apparaît en dessous. Si je recommence, vous voyez que ça casse la marque et ça la reset. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais juste vous montrer que les 15% des... de la griffe du Rodeur s'appliquent effectivement sur les dégâts purs. Là, vous voyez que si je tape, je fais 535 de dégâts purs sur le mannequin. Maintenant, si je traverse la cible et que je tape, euh, vous avez vu 615. Donc. Les dégâts purs sont augmentés par les 15% de la griffe du rôdeur. Ah ouais, 615. Une fois que l'icône ici disparaît, je refais 535. Voilà pour ça. Maintenant, je vais parler de l'âme du roi déchu. L'âme du roi déchu, qu'est-ce que ça va apporter Les stats, encore une fois, on s'en fout. Ce qui, est, ce qui compte ici, c'est. Euh... Mais alors, Je dis qu'on s'en fout, mais en vérité, les stats sont importantes. Hein. Pareil pour la griffe du rôdeur, 60 d'AD, c'est énorme. C'est un système qui donne le plus d'AD du jeu. C'est très très fort sur Fiora. Hein. Voilà, quand je dis on s'en fout, c'est juste pour le combo, je parle. Donc là, il me durera des chutes. Donc 40 des super, vitesse d'attaque super, vol de vie super. Ce qui va être intéressant, ce sont euh, les deux propriétés passives. Donc fil de brume et siphonnage. Donc fil de brume, vous allez infliger 10% des PV actuels de l'ennemi sous forme de dégâts physiques. Donc quand vous allez faire un dash, auto-attaque E par exemple, vous allez appliquer 3 fois de suite les 10% de PV euh, actuels, parce qu'il n'y a, a pas de cooldown, tu vois. Il n'y a pas de cooldown. Là, vous voyez que plus je tape et moins je fais de dégâts. Pourquoi Parce qu'en fait, les PV actuels, ce sont des, des dégâts où plus votre adversaire a de points de vie, plus vous lui ferez mal. Et moins il a de points de vie, moins vous lui ferez mal. En gros, là, là, vous voyez qu'il est full life. Là, je lui mets 380 dégâts physiques. Là, je lui mets 360, 336. Là, vous voyez que c est... C est... ça décroît en fait. Hein. Et ça va baisser au fur et à mesure parce que c'est 10% de ses PV actuels. Donc voilà. Euh, voilà pour ça et donc si vous faites dash auto-attaque E donc comme j'ai fait donc Dash auto-attaque E vous allez faire proc les 10% des PV actuels 3 fois de suite. Maintenant l'autre l'autre passif c'est que vous allez, dès que vous allez taper 3 fois le champion adverse que vous êtes en train de focus, vous allez lui infliger 150 de dégâts magiques supplémentaires et lui voler 25 de movement speed mais là le vol on s'en pas un peu les couilles. En gros l'idée ça va être de d'infliger les 150 de dégâts magiques, ce qui fait que vous allez faire des dégâts physiques et des dégâts magiques coup c'est un mix de... Dégâts. Alors les dégâts magiques sont pas incroyables, hein, mais c'est un mix de dégâts qui peut faire la différence. Maintenant, si vous tapez une marque, et que là, là imaginez que je dash auto-attaque E, là vous voyez que le maintien qui a 3000 HP et 120 de résistance, le mec il est mid-life, instant. Et là qu'est-ce qui se passe En fait vous avez un mix de dégâts physiques en PV actuel, donc à hauteur de 10%. Vous avez des dégâts purs en PV max euh, à hauteur de 17,9%. Bon là c'est le chiffre parce que j'ai ce stuff là, donc ça va peut-être varier en fonction du vôtre. Ensuite, vous allez faire des dégâts physiques et des dégâts magiques, puisque les dégâts bruts de Fura sont des dégâts supplémentaires. Là, si je tape le mannequin, vous voyez qu'il y a d'abord les dégâts physiques, le 381, puis les dégâts bruts, 500, 535. Donc en fait, vous allez avoir un mix de tout ça, qui va faire dégâts magiques de la lame du roi déchu avec l'effet siphonnage, les dégâts actuels à hauteur de 10%, les dégâts physiques naturels de Fiora, et les dégâts bruts sous forme de max. Vous avez un mix de tous les dégâts du jeu sur un perso. Et du coup, voilà. Maintenant... Terminé avec la lame du roi déchu. Maintenant, parlons du combo. Lame du roi déchu, Griffe du Rodeur avec Fura. L'idée, c'est en fait que vous allez vous faire avoir votre ultime pour faire ce combo. Si vous ne l'avez pas, bon, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est vraiment de faire des pop le mec en face. Il doit exploser littéralement. L'idée, c'est quoi C'est d'ulti. De dasher. Vous voyez que cette marque-là est prise. Vous auto-attaquez la marque qui est derrière. Et vous dasher soit en dessous, soit en haut, en fonction de comment vous, vous êtes placé dans la game. Pour prendre 3 marques. Et là, vous voyez que les 3 points faibles ici... Je les prends assez vite et vous voyez que le mec ici il a des pops. Sachant que dans ce combo basique que je viens de vous montrer, il n'y a pas le proc l'âme du roi déchu et il n'y a pas le proc conquérant. Euh, qui... Il n'y a pas non plus le proc barou d'honneur, il n'y a pas non plus le proc coup de grâce si jamais vous avez coup de grâce. Et donc là vous avez vraiment, là c'est vraiment le combo basique euh, à base de que les items et les stats de Fura level 18. Donc en fait l'idée c'est vraiment de... un petit combo assez simple. Et vous voyez que rien qu'avec un combo comme ça, vous one-shottez littéralement un mec à 3000 HP sans une résistance. Alors sachez juste qu'en game ce sera pas aussi facile parce que là les mannequins ils sont immobiles. Donc forcément vous, assez, vous, allez, vous, voyez, vous allez voir ça, vous allez le dire putain c'est trop fort. Mais en game c'est plus difficile parce que les mecs ils bougent, ils bougent, ils dash, ils flashent, ils ont des items. Ils ont des items un peu chiants genre randoin, ils ont genre euh, euh, bramble vest, côté épineuse, tout ça, c'est un peu relou. Donc voilà, faites attention. En game c'est pas aussi simple. Mais bref. Euh, maintenant, je vais juste vous montrer un autre combo pour vraiment dépop vos adversaires. Vous allez ulti, dasher, auto-attaque E, redasher et coup critique. Là, vous avez vu que cette fois-ci, à l'inverse du premier combo, c'est qu'il y a eu le proc de l'âme du roi déchu. Il faut savoir que, la, que le dash de la griffe du roder ne proc pas un effet, l'âme du roi déchu, donc les trois, les, trois, euh, les trois coups que vous avez infligés. Et là, vous avez vu que le Kalade, ici, il est mort, il n'est plus, plus dans la game. Donc, vous le one shotez en fait tout simplement. Maintenant, je vais vous montrer sur un tank. Vous ne tuerez pas le tank, vous n'allez pas le découper comme la DC, mais vous allez lui faire très mal. Donc, dash, auto, dash, combo basique. Il va lui rester 1300 HP, euh, mais retirer autant de PV à un tank en très peu de temps, c'est euh, assez incroyable. Hein. Maintenant, l'autre combo, donc avec un dash auto-attaque E, dash crit, il lui reste 700 HP, mais encore une fois, euh, retirer autant d'HP à un tank aussi rapidement. Très peu de champions sont capables de le faire et il y a même, j'ai envie de dire, qu'il y a même que des mages qui sont capables de le faire. Les mages à gros burst, ils font très mal euh, en très peu de temps. Mais Fiora, c'est pas un mage, <laughs> c'est un combattant. Alors, du coup, voilà, voilà pour le combo, voilà pour le build, c'est ce que je voulais vous montrer. Euh, ça s'arrête là, il n'y a pas euh, à tergiverser plus que ça. Après, vous pouvez avoir des combos un peu plus euh, voilà, un peu plus poussés dans le sens où vous faites un dash, vous activez votre E pendant le dash, vous redashez ici et vous prenez les marques. Euh, Enfin vous faites des dégâts très vite en fait Ouais tout ça, les combos les plus avancés ça va dépendre des des, de vos synchronisations d'auto-attaque euh, Et votre cancel d'auto-attaque C'est à dire que là le premier combo simple comme je l'ai montré c'est ça, ça, ça Donc là c'est un dash, une auto-attaque, un dash L'autre combo un peu plus avancé ça va être Tout simplement donc un dash, une auto-attaque, un reset d'auto-attaque, un dash, un critique Et l'autre combo un peu plus avancé ça va être cette fois-ci un dash Pendant le dash vous activez votre E Donc là c'est le slow 1 dash, critique, voilà. Donc là là, il y a ces trois combos là, après vous pouvez en faire plus euh, en fonction de vos games, en fonction de ce qui se passe. Et euh, en fonction de là où vous êtes et en fonction de comment il se déplace votre adversaire. Voilà. Donc voilà pour le combo, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà pourquoi je le fais. Il faut savoir que je suis monté de diamant 4 à diamant 1, peut-être même master euh, avec ce cet item là, en fait, tout simplement. Parce que ça surprend tout le monde. Ça surprend. Ça surprend trop les mecs qui arrivent au corps à corps. Tu fais ça. Terminé, le mec était pop, il est mort. Et en gros alors, encore une fois, les, les mannequins sont immobiles, donc attention, en vrai game c'est plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, alors, pour le mot de la fin, ce stuff, c'est peut-être pas le meilleur stuff que vous pouvez faire sur Fura, mais en tout cas pour moi c'est un des plus forts. Euh, J'aime beaucoup le build éviscérateur, en vérité, j'ai un petit peu renoué de les liens avec l'éviscérateur. Les en ce moment, on est au patch 11.14 si vous regardez cette vidéo Les est vraiment cool aussi, j'aime bien Même si ça a été nerf au niveau du dash, j'aime beaucoup Mais en fait, retenez tout simplement qu'avec votre fura Vous pouvez vous adapter comme vous voulez Si vous n'aimez pas les viscérateurs, vous pouvez faire les Si vous n'aimez pas les vous pouvez faire pourfendeur Si vous n'aimez pas le pourfendeur, vous pouvez faire une griffe Si vous n'aimez pas la griffe, vous pouvez faire une galforce Si vous n'aimez pas la galforce, vous, faire... vous pouvez tout faire Un shilbo, il y a tout qui marche sur fura Tant que, votre... que l'item vous donne de l'AD et un truc à côté, donc ADPV, AD résistance, AD vitesse de déplacement, enfin peu importe quoi, j'ai de la merde. Hein. C'est bien, genre ADPV, c'est super. Euh, puisque en fait l'AD bonus va augmenter votre passif. Bon j'avais déjà expliqué ça dans mes guides, etc. Donc euh, je vais pas y revenir là-dessus parce que ce n'est pas, pas le sujet. Euh, mais voilà, donc l'idée, voilà, avec votre Fura, adaptez-vous. Là je vous présente je vous présente juste mon stuff Griff du rodeur. S'il ne vous plaît pas dans ce cas... Euh, Adaptez-vous et faites votre stuff en conséquence. S'il vous plaît, par contre, dans ce cas, entraînez-vous à faire ce combo et entraînez-vous à euh, toujours savoir quel item va être le plus important dans votre équipe, euh, dans, dans l'équipe, dans la game pardon plutôt. Parce que ça arrive souvent que moi en fait, je fais, je fais mes boosts, script du rodeur, l'âme du roi déchu. Maintenant à partir de là, des fois on pourrait se dire ah bah je joue Fura, il faut que je fasse, il faut que je fasse une Dreworas. Sauf que du coup le problème de ça, c'est que en fait vous avez trop de dégâts. Rien que ces deux items combinés, vous avez trop trop de dégâts. Rien qu'avec ça. rien qu'avec ça, basiquement, je lui retire mid life. Il y a trop de dégâts dans l'item. En fait, euh, si à 15 minutes de jeu, 20 minutes de jeu, vous avez ces deux items là, vous allez découper tout le monde. Bon, Peut-être pas tout le monde, parce que ça dépend du niveau de feeding et enfin ça dépend des niveaux de gold de chacun. Mais les adversaires qui vont, ils auront deux items, vous allez les détruire. Deux items, un item. Donc maintenant, donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter. Et je vous conseille personnellement de faire un sterak et de faire l'hydrovoras en, en quatrième parce que le sterak est trop important. Vous n'êtes pas assez tanky, ce stuff là n'est pas du tout tanky, vous ne pouvez pas tanker une équipe entière avec ça. Donc bref, Donc, voilà l'idée c'était de vous présenter ce stuff. Alors je vais juste revenir très rapidement parce que ça fait 13 minutes, je vais essayer d'aller jusqu'à 15 minutes et c'est basta. Quand vous jouez votre fura avec ce stuff là, il faut savoir que c'est un stuff assassin. N'allez pas teamfight avec ce stuff, ça ne marchera pas. Ça marchera dans de rares situations ou si vous êtes vraiment très expérimenté. Si vous n'êtes pas et vous êtes nouveau ou que vous vous, vous, débutez, euh, vous débutez, faites pas ça. Je vous conseille de d'acheter une trinket rouge. Si vous avez un trou dans votre stuff, de prendre deux ping wards, toujours toujours deux ping wards, d'activer votre trinket et d'aller chercher les mecs dans, la, dans leur dans leur jungle. Vous déwardez euh, vous déwardez vous wardez vous, vous mettez dans des positions où les mecs n'attendent pas forcément à vous voir. Vous vous placez ici avant un dragon par exemple. Les mecs vont arriver face check, et le but du stuff c'est tout simplement que dès qu'il y a un mec qui face check, vous ultez, vous attendez vraiment que les 4 marques apparaissent, et vous faites. Bon, je l'ai raté, et vous faites votre combo. Vous faites tout votre combo et vous détruisez le mec en fait, dès qu'il qu jump, dès qu'il rentre dans le bush, vous ultez, et, euh, et puis vous y allez quoi. Et vous allez, casser le mec, euh, là, vous allez casser le mec en deux, tout simplement. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah vous vous parez, parce que juste avoir un Drake, retirer un mec dans un fight, enfin retirer un mec d'un fight juste à de drake, c'est déjà c'est excellent, tu vois, c'est ce qui va permettre de gagner le team fight 4v5 au dragon. Donc voilà, donc voilà mon, mon build, donc c'est un build vraiment axé assassin. Voilà, vous allez vous vous jetez la vision, vous vous positionnez, vous êtes assez mobile. Vous pouvez vous, vous déplacer comme vous voulez, voilà, c'est un très bon champion. Euh, furage je pense, euh, pour, ce, pour ce petit, euh, ce petit côté euh, mécanique de jeu. Et faites attention, parce qu'en vrai, dans certains cas, vous allez peut-être mourir parce que vous allez rater votre combo, vous n'allez pas récupérer la bonne marque, etc. Donc voilà, c'était le combo que je voulais vous montrer avec euh, le stuff que je voulais vous montrer. Donc encore une fois, c'est pas le meilleur stuff, c'est peut-être pas le plus adapté, c'est peut-être pas non plus euh, ce que vous allez aimer faire, mais c'est, je trouve, un des plus forts. Euh, très clairement, je trouve que c'est un des plus forts combos. De Fiora en saison 11, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à monter euh, D1 de D4 à D1 avec ce combo tout simplement parce que ça surprend. Alors faites attention parce que si vous, êtes, euh, si vous faites ce combo là, vous allez peut-être vous faire flame parce que les joueurs sont pas trop. Euh... Les joueurs sont pas trop. Euh... Ils aiment pas la nouveauté et ils aiment pas avoir de nouvelles choses. Et voilà bref, voilà c'était une petite vidéo assez sympathique et euh, j'espère que, que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez apprécier jouer avec cet item. Si ça n'est pas le cas, faites-le moi savoir et essayez de trouver un autre build sur Fura qui vous correspond le mieux. Sur ce bah, je vais vous le laisser ici, et juste petite euh, avant de se quitter, petit combo un peu plus avancé, c'est que vous pouvez faire ça, 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 et alors flasher vers le haut pour taper la marque du dessus, voilà, comme ça vous faites proc les 4 marques assez, assez vite. Ça c'est simplement pour les plus mécaniques d'entre vous. Bon sur ce, je ne vais pas parler plus que ça. Et je vais, euh, je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, euh, donc testez le build et, euh, et vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous laisse ici. C'était Gref et je vous dis à la prochaine.